Mon Dieu, mec, cette automobile est propre. Tout de même bien mieux une voiture propre, non? Ah, je suis de retour! Bonjour à tous! Comment ils vont, l'équipe? Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier. J'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Le moment que tout le monde attend, la consécration. On va faire une petite vidéo chez elle, ça va être sympathique. Mais moi, j'aime bien, avant de prendre la voiture, déjà m'asseoir derrière, parce que je trouve que c'est important de vérifier qu'on ait une bonne assise. La banquette arrière, elle est dingue! Donc là, j'ai rendez-vous dans pas très longtemps. Vous avez pu remarquer, la musique, c'est ma vie! C'est incroyable parce que, je veux dire, j'ai appris la guitare. Je sais pas comment j'en arrive là. Mon professeur de guitare était là, en train de se tirer les cheveux qu'il n'avait pas. Il me disait, tiens, je me tire les cheveux que je n'ai pas. On l'embrasse tendrement. Mes voisins, ça va Jean-Louis? Il s'appelle Jean-Louis. Ils sont en train de me regarder en se demandant pourquoi j'ai une guitare dans une voiture. Mais je pense que ce qui les surprend le plus, c'est le barbecue qu'il y a dans le coffre. En train de cuire, ça sent la gaze un petit peu dans la voiture. Hein. Je vous cache pas que ça pique un peu les yeux. C'est un peu épicé. Ça va Jean-Louis? On va faire un petit morceau, on va prendre un petit peu toutes les sonorités qu'il y a dans une automobile et on va essayer d'en faire un truc. On est en la bémol, impeccable. C'est parti! On se retrouve chez Karine, ma coiffeuse. Bonjour Karine. Bonjour Étienne. Elle a énormément de chance, elle est très heureuse de me couper les cheveux. Ce rire en dit très long. Des épaississages complets de la chevelure. Un effilage, autant pour moi. Karine, s'il te plaît, tu peux nous expliquer comment on fait un broche? Quand tu as un épi ici, toi Étienne, oui. Tu prends ta brosse, oui. Contresens de l'épi. Contresens de l'épi, voilà. Mais je vais prendre une amande. Mets ton sèche-cheveux bien sûr au-dessus. Oui. Si tu le mets comme ça, ça va l'accentuer. De toute évidence. Tu tires ta mèche à oui. Contresens. Voilà. Mais je vais prendre une amande, tu peux essayer? Bien sûr. Tu tiens avec ta main, si tu peux pas faire autrement. Non, mais en plus je suis gauche. Enfin, je suis droitier, mais gauche. Pas pouvoir l'embaucher, c'est pas possible. Il est nul. J'ai là. Tu tiens ton cheveu en même temps. Je tiens le cheveu. Voilà. Ok. Et là, t'as la mèche raide. J'ai toujours rêvé de dire ça. Allez, au top, c'est parfait. Et ben voilà les amis, le jour de gloire est arrivé. Alors on n'a pas pu lui dire au revoir, mais on remercie évidemment Karine pour ce travail qu'elle a fait. Nettement plus sympathique. Vous avez pu remarquer également la prestation musicale. Je vous cache pas que j'ai travaillé le morceau un peu sur mon ordi, mais j'ai intégré le frein à main. T'embrasse petit frein à main, prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors je travaille sur une idée, on devrait me voir en train de faire une sauce tomate. On pense à la Team Scoop, sortir cette voiture parce que ça fait chaleur. En tout cas, ça fait plaisir, c'est très propre ici. Bravo à la personne qui a nettoyé, impeccable, propreté. Imparable. À bientôt les scoopiens, ciao ciao.